Ça va pas être pour tout de suite. Je m'étais fait avoir aussi la première fois aussi. Voilà, ça faisait trop longtemps. Et ben encore un niveau de pour monter hein. Du coup 15. Ça a parlé, ça a parlé, ça a parlé. Sauvegarde donc. Deux fois que je te soigne. Attends, toi aussi, faut que je te soigne beaucoup plus en fait. Faut que je te soigne un peu plus, toi. Je suis fermé même pas, mais c'est pas grave. Oui, j'adore faire les bruitages. Non, mais... Alors, toi, au maximum, tu peux aller là. Donc, toi, je pense que tu ne peux pas y aller. Ok. Du coup, on va faire la hache la buse là. Non, toi, comme ça. Merde, pas y aller. Ah, yes. Yes, c'est bien. Toi, tu peux aller où, toi? C'est pareil, tu peux y aller. C'est pas grave. Du coup, toi, voilà. Toi, je te fais attaquer par... Tu vas avec... La chlaguse. Je le sens pas avec la chlaguse. Oui, on se garde en 4. Ah, on se garde en 4. Ah, comment je t'ai eu? Ça donne pas mal d'XP quand même, d'aiguise, hein, je vous rappelle. Là, je sais pas à quoi ça sert franchement de faire ça en fait. Les mecs ils peuvent plus bouger, mais ils donnent le choix de bouger ou pas bouger. Est-ce que tu veux bouger, pas bouger ou pas bouger? Donc, qui voit? Alors, il paraît qu'il faudrait que je sois là. Nickel! Ur. C'est la ville d'Ur. Il y a quelque chose ici, ce sable, murmure. Ah ouais, il est bien stylé en fait. Petite pièce d'hygiène. Meilleur de Kaiser. C'est la première fois que je vois ce personnage, j'ai jamais débloqué la première fois que j'ai joué parce que je savais pas, tout simplement. Et c'est deuxième Epilis qui nous rejoint grâce à un Malagus quand même. Hein. Je veux pas dire mais ça semble réchauffé. Ouais, il a l'air sympathique, ben, il a l'air niveau... design, il est classe quoi, enfin, plutôt pas mal quoi. Bon, je vais faire encore un. Bon, je vais pas faire la fine bouche, hein. Je n'ai marre des autres. Donc voilà, bon, donc il est classe, toi t'as quoi? Dagekati! Et puis, une puissante transition pour la mettre forgeant, très puissante mais difficile à manier. Fah! Stellaire! Ah oui, c'est un bruteur donc c'est l'évolution du. Ah oui! Ah oui, pas mal. Putain, il va faire mal lui, hein, la vache. Du coup, on va essayer de prendre l'objet qui est là. Si je l'ai pas déjà pris, je sais plus. Attends. Attends, attends. Non, je me suis trompé, attends. Là, tout ça, machin, rien. Ok, donc c'est ces 4 là, en fait, je me suis bourré. Ouais, j'imite l'autre en train de rigoler quand même, hein. C'est quand même con. Ah, pourquoi je te fais là? Je sais pas en fait. Je sais pas. Puis je sauvegarde, tiens. Sauvegardage en... 4. Ça fait juste pas comment je suis en faire en 4. Alors que je peux faire en 1, mais ça ne sert à rien, hein, évidemment. Ça ne sert à rien. Bon, je suis sûrement pas bousculé. Et... ouais, pas mal de... niveau 8 bruteurs, quoi. Disons comme... plus haut niveau que... le grognasse là. La rousse là, la Titana, Titania, voilà. Non, je n'ai pas dit les rousses grosses, hein, en son... Enfin, maintenant si, mais... Oh non. Voilà, enfin, merde, ouais, merde. Oh oui, tu viens, oh oui, oh oui. Ah oui, tu fais un grand plaisir, toi. Tac. Oh. One shot. Un gros tic one shot, quoi. One shot, c'est génial.
C'était justement, c'est pile pas le moment, quoi. Alors, toi, non, c'était pas ça que je voulais, c'était de faire ça. Alors, c'est bête le boss, donc c'est bête, toi. Mais si je le bats, je pourrais le prendre après, parce que je sais qu'on peut l'avoir, hein. Il est aussi classe que Mordecai, celui-là. Voire même encore plus, je crois, mais je sais pas. Enfin bref, on va entraîner avec, plutôt. Ça me paraît être une plus grosse priorité que ça, quoi, en fait. Ah, putain, merde, il y a autre chose, là. Attends, il y a autre chose à prendre, là. Attends, que je me repère sur la carte. Apparemment, ce serait par là. Après. Non, attends. Par là. On va faire aller, toi. Hein. C'est toi comme il... Donc, Brother, c'est super classe comme... comme classe. Oui, c'est logique. Et apparemment, je fais plaisir aux fans du personnage, parce qu'apparemment, il est super populaire, apparemment, ce que j'ai vu. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il est super populaire. Ah si, je sais, parce qu'il est quand même classe. Pas les pistolets. Du coup, toi, tu vas plutôt aller par là, par là-bas, pour t'entraîner, hein. Oh, calme. Ouais. Allez, je te fais avancer, toi. Gatori, il aura avancé de, 8 cases, en fait. Suffit de voir le nombre de tours et c'est bon. C'est trop la classe, je trouve. Alors, toi, tu peux aller là. Ok. Bon, on va pas te faire attaquer. Donc. Vaudrait mieux pas. Je préfère pas te faire attaquer, je préfère te faire attaquer par toi. Ouais. Du coup, je te fais avancer toi pour que tu aies un peu plus d'esquive. Hein, oui. Vous, je vous avance un peu, mais pas trop beaucoup non plus, parce qu'il faut pas déconner non plus, hein. Voilà, pas besoin de soins, personne. Ah, si, toi, bien. Je peux plus. Ouais, j'ai mis trop bien Foxy. Du coup, soit non, je ne t'avance pas. Hein, on va attendre un peu un autre. Oh, nickel. Ouais, nickel, non, parce que du coup, ça me fera un peu moins d'XP, je crois, mais c'est pas grave. On s'en fout. On peut attaquer une deuxième fois quand même, hein. Du coup, je vais donner le queso, toi, du coup, hein. Toi, c'est décidé, hein. Et puis acier, 10 fois 2. Nickel. C'est frustrant. Beaucoup très frustrant là, je trouve. Un peu trop. Oui, c'est vrai que ça compte pas quand... Allez, 9 cases. Ouh, c'est la fête. Je suis très à compteur, tu sais. Du nombre de cases avancées par Gatori. Ça serait épique. Pardon. On est tellement ridicule. Pardon. Putain, vous devez demander pourquoi je rigole pour ça, quand même. Parce que je rigole pour rien, en fait. C'est tout. C'est tout. Voilà, je pense que je vais pas faire grand-chose de plus, hein. Ah oui, si. Du coup, toi... Ah oui, du coup, oui, toi. T'as raison, j'ai fait ça. Toi, je sais pas où c'est... Voilà. Oui, toi aussi, du coup. Ok. Et puis, c'est tout. Mordekaiser, c'est bon, quoi. Mordekaiser is good. Je vous avance pas de davantage. Non. Oui, derrière moi, oui. T'es un peu con, mon petit. Du coup, t'es à 59 PV du niveau 20, c'est ça? Ouais. 59 XP du niveau 1, voilà. Du coup, je te fais attaquer un peu par toi, hein. Ça peut toujours servir.
Oui, j'ai fait la musique moi-même, hein, pour dire de le faire, puisque des fois, elle marche pas la musique, donc niveau d'abord augmenté, du coup, tu peux utiliser l'arc lagueuse, mais alors qu'il n'y a plus de lagueuse. Ok, on va arrêter de se prendre pour un fou, hein. Pour un fou, fou. Et on va voir, toi. Je pense que tu vas le tuer, par contre, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Toi, tu vas faire des recherches spéléologiques, hein. Donc, attends, toi. Attends, j'arrive pas à repérer quoi que ce soit sur la carte, en fait. Attends, la fin, il y avait un ennemi là, apparemment, ok. Donc on remonte là, tac, tac, ok, donc là. Voilà, remède. Remède? Classe. Ah, vache, comme vous pouvez voir, ça rend 10 PV plus la magie du lanceur combattu. Et la portée est immense, c'est-à-dire que, par exemple, pour lui, ça va être la magie divisée par 10, donc c'est à 10 de portée, donc là, je pourrais soigner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pourrais soigner Oscar, vous voyez. Bon, on va le prendre maintenant. Ouais, je sais, ça se fait pas, mais du coup, le soin, on veut... Ouais. Bâton, remède. Et voilà. C'est pas classe, ça. Franchement. Est-ce que ça donne plus de PV? Plus de XP? C'est pas mal, ça. C'est pas mal, hein. Carrément. Enfin, je crois. Je suis pas sûr. Du coup, toi, je t'ai fait, mais je sauvegarde parce qu'il y a plus de son. Et il y a toujours pas de son. C'est pas grave. Attaquer avec Arclagus, non, ça va pas la peine. Toi, hache courte. Non, bah la hache courte, ça peut toujours servir après. Attends, plutôt. Quoique la hache courte, je vais l'enlever pour après quand j'aurai l'arc. Tu vas augmenter de niveau, de classe, quand même. Faut pas déconner. C'est frustrant. Non, mais franchement, quoi. 10 Envie, désolé. Alors, Ike. T'as plus beaucoup de PV, je vais te faire soigner après par Gris, qui va être beaucoup plus pratique maintenant que je peux soigner à distance. Tiens, en plus. Quoique. Mist, ouais, tu peux le soigner. Donc, on va soigner par Mist. Hein. Ouais, carrément. Palapalapam. Quoique j'aurais dû mettre plutôt le remède Fallo. Le truc, c'est pas grave. On s'en fout comme dans l'an 40. Je sais pas ce que ça devient, cette expression, mais... Elle vient. Ok, Iliana, tu n'auras servi encore à rien, encore une fois. Je suis désolé, mais c'est la vérité. En fait, je vais faire évoluer Soren avant Iliana, parce que... Voilà, Soren. Et le brouteur, voilà. Un brouteur en action. Voilà. Classe d'action, voilà. Bon bah. Ouais, j'ai carrément mieux avoir Stéphane que. Qu'un autre quand même, hein, j'avoue. Et ce garde. Alors. Je sais pas. Déjà, soignons. Soignons. Les camarades. Toi, voilà. Bon, même si ça sert à pas grand chose. Ouais, là, faudra choisir quand même niveau remède, hein. Faudra pas que j'utilise comme ça non plus trop souvent. Frustration maximum. Oh, nickel. T'as qu'il lâche courte. C'est de pouvoir évoluer. Nous ne sommes pas des volets, mais je vois bien que ça ne vous est complètement égal. Voilà. Tu montes. Je vous laisse admirer ça. C'est pas trop.
trop la classe comment c'est foutu, franchement. En plus, la musique derrière, quoi. Nickel, quoi. Bon, bah, par contre, maintenant, il ressemble à Godot sur... Dans Phoenix Wright. Mais bon, ça, c'est... Après, c'est... enfin, Godot, je sais pas comment dire. On s'en fout. Et donc, voilà comment se passe un changement de classe. C'est pas classe, franchement. Eh, Frenchmi. Alors, pendant que j'essaie de me retenir du rire de voir Gatorius faire 11 cases, c'est pas grave. Toi, du coup, tu vas... Ah oui, non, j'ai eu remède, c'est vrai, je suis con. Non, bah, ça sert à rien, voilà, c'est pas grave. 18. Je sonne tout le monde, hein. Je suis pas radin de ce côté-là, quand même, pas déconner. Ah, c'est quand même classe, quand même. Puis il a au moins vachement ses stats, hein, justement après, hein. 46 PV, Enfin, voilà, quoi, c'est énorme, quoi. Et t'en peux de compte, ce qu'il avait là. Et là, maintenant, les arcs. Totalement classe. Oh, yeah. Attaquer couteau. Oui, non, mais ça. Oh, mais la lame d'argent. Ah, putain, une lame argent. La lame argent. 15, waouh. Ça, ça va être classe. Ça, ça va être de la classe internationale. Ok, j'ai fini mon tour, hein, c'est plus grand chose. J'ai essayé d'attaquer avec Ike, quand même, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à parler. Non, attaquer. Lame fer, épée fine. C'est. Sauvegardons, hein. On va pas faire les fifous, hein. Loin de là. Ouais, allez. Un tigre vert. Encore du truc vert, hein. Je sais pas si le tuer, ça va pas faire quelque chose de mauvais après. Je sais pas. Peut-être que c'est dans la mission, justement, que faut faire ça. Je sais pas. Voilà! Niveau 20! Maintenant, il remonte un peu de niveau. Du coup, ça va bloquer les XP, du coup, mais ça, c'est pas grave. Mais du coup, c'est pas grave, il y a toi! Avec. Et au pire, il y a toi derrière. Avec. L'arc Laguse. Allez, essayons. À 58, bon, ça va pas te faire grand chose, mais. C'est pas faux. C'est pas faux ce qu'il dit, c'est qu'un gosse, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Est-ce qu'il va dire quelque chose pour une femme maintenant, hein? Non, mais en fait, je vais te faire attaquer par toi, en fait. Boïd. Rocco! Allez, vas-y. Ouais, il ressemble à... avec son casque, là. Et par contre, ouais. Ah non! Je meurs! J'espère qu'il va pas mourir tout court. Non, il est pas mort, c'est bon. Ouf, j'y perds. Donc, un niveau assez rempli du coup. On a vu pas mal de choses, on a vu le niveau 20 de Ike. Donc comme ça, c'est bon. Tormud, voilà. Je crois que c'est ça, t'as. Que je me trompe pas. Tormud. Moi, j'ai appelé Tormud, hein, excusez-moi. Parce que c'est tellement drôle. J'ai appelé Tormud. Tormud, ok. Donc, on a vu le niveau 20 de Ike. C'est cool. On a vu le changement de classe d'un personnage. Qui est avoué assez classe, quoi, on dira. En deck, c'est un don de la déesse, quoi. Avec la musique derrière, c'est magnifique, quoi. On a vu aussi que Gatorius ne servait à rien dans cet épisode. Ah, oh, c'était magnifique ça. Ah, oh, putain, le... ouais, j'aurais pas dû le mettre, mais de toute façon, j'y avais pas besoin d'autre à mettre. Et il m'a servi à rien, hein. Il était là ou pas là, ça aurait fait la même chose. Enfin bref. C'est pas grave. Avec ce...
blablabla. Je sais pas de quoi il parle, mais en pire, on s'en fout. On a vu quoi d'autre? On a vu aussi Stéphane, hein, que j'ai fait plaisir à beaucoup de monde de le débloquer, apparemment. Parce qu'on l'a beaucoup réclamé, quand même, faut pas déconner. Et du coup, je vais l'entraîner. Il est classe, il est cool. Très cool. Et du coup, Ike va se récupérer El Queso de la Muerte. Même si je sais pas s'il va s'en servir tout de suite, parce que je sais pas s'il a changé de classe, parce que si je change pas de classe, le prochain niveau, j'utilise pas du tout, je laisse en retrait. Même pas en défense, parce que je veux pas qu'il prenne de l'XP des autres, hein. Encore, sur Titania, bon, l'XP est pas perdu, hein. Mais s'il est hack, il est carrément perdu, hein. C'est mort et enterré, hein. Donc voilà, je préfère, voilà. C'est tout. J'espère qu'il va évoluer ce coup-ci. Peut-être qu'il évolue au début de niveau aussi, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Jamais! 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 Pardon. Un coup de matraque. Qu'est-ce qui se passe? Nesala, Nesala, Niska, puis tiens, on va sauvegarder. Nous sommes presque, je dirais quand ils seront arrivés, comme prévu. Je n'ai pas venu, Tibard. Si j'avais su qu'on irait si loin, j'aurais un message. Oui, bon, je fais ce que je peux. Hein. Faut être sereine, c'est. Alors, Forêt, c'est rien. Normalement, vous savez pas trop ce que c'est, normalement. Si, je sais ce que c'est, moi, mais bon. En fait, c'est la forêt natale des lagus blancs, là, qu'on a vu, là. Oh la vache! Il y a un éclair qui est pas tombé loin, là. My god. Je finis vite ce let's play, je me casse. D'ailleurs, je vais faire un truc vite fait. Je reviens, je vais juste... stop. Je vais juste sauvegarder mes trucs et je reviens tout de suite. Hein. Ah, tout de suite, hein. Voilà, tout de suite. On vire la souris. Et re, alors, c'est sous l'orage, sous des conditions extrêmes que je vais recommencer continuer, quoi. Oui, j'ai préféré arrêter tout de suite parce que la dernière fois que j'ai eu un copain d'écran, ça m'a fait chier, j'ai dû faire le let's play en off-commentary. C'est pas que c'était chiant. J'ai franchement adoré faire ça, mais c'est pas une expérience de jeu, enfin, c'est pas un let's play que je ferais d'habitude, quoi. C'est juste... Là, j'ai fait une fois parce que j'ai pas eu le choix, mais c'était sur One Piece, hein. Sur One Piece où l'intro était chantée d'ailleurs, c'était magnifique, c'était tellement de toute beauté. Tellement de toute beauté que j'ai foiré les montages et c'était pas... Bon, c'est pas grave. Enfin bref. Tout ça pour dire que là, j'espère que ça va pas planter, que je vais pouvoir terminer tranquille le truc sans faire truc. Parce que oui, j'ai la phobie des éclairs, c'est... Je suis éclairophobe. C'est con, hein, mais c'est ça. J'étais dur avec toi. N'empêche, les lagus signes... Moi, j'ai appelé les signes pour l'instant, parce que je sais plus trop ce que c'est, mais ils sont vraiment super classe, et ils servent franchement à quelque chose. Quand on en aura un, dans plus tard, on aura lui, d'ailleurs, Rayson, on l'aura lui. Je sais pas quand, exactement, mais on l'aura. Il va nous servir à bien les choses. Et... question pour vous, abonné, chérie. Oui, je s'appelle comme ça, je suis Dark. Est-ce que ça sert vraiment d'entraîner un lagus signe comme ça? Enfin, d'entraîner intensivement, je veux dire, je vais donner des niveaux, tout ça, beaucoup. Parce que je sais que c'est super chiant d'entraîner un lagus, mais encore plus ceux-là, parce qu'ils peuvent pas attaquer ceux-là. Pourquoi? Je vous verrai ça plus tard, hein. Voilà. Et je... De ça qui sert, mais à entraîner, ça va être chiant, en fait, je pense. Et là, ça va être un piège. Tu es mon ami. Ah oui, mon ami. Ça pue le piège, hein. Celui que t'en as, t'en as pas sûr. Celui que t'en as, c'est le gros chauve roux qu'on a vu l'autre fois. Oui, chauve et roux, oui, c'est...
C'est un peu contradictoire, hein, je l'avoue, je vous zut. Je crois que c'est celui d'un duc d'un. Pas sûr, certain, mais je crois. Voilà, c'est trop vivant. C'est pas grave. Du coup, on va se quitter là sous une pluie battante dehors où j'adore ça. Je vous dis à bientôt pour un nouveau let's play et merci d'avoir suivi et à bientôt. Salut!